mais qu'est-ce qui se passe? Il nous montre une voiture dégueulasse. Oui, mais chez Manny, c'est toujours très très propre. Mais qu'est-ce que t'en as fait? Ouais, mais c'est fait pour. Franchement, c'est fait pour. Lozy, super recret, venant de chez Manny. Donc celui-là, il a pris déjà tous les outrages du monde. Il est renforcé de partout à l'avant. Alors je sais pas quelle vidéo je vais mettre après parce que chaque fois que j'ai voulu filmer, ça y a eu un bisbille, enfin bref, ça n'a pas marché, donc pour l'instant j'ai pas de vidéo à l'instant T que j'enregistre la présentation d'après-run de cette vidéo là. Mais Lozy Super Recré, mes amis, c'est comme le X-Max. Si tu n'as pas piloté, tu peux rien en dire. Une fois que tu as piloté, waouh, un dragster. Hautement aidé, il faut le dire, avec les pneus Badlands, Proline Badlands. Alors attends, j'hésite. MT16, ouais c'est ça. Ouais. Donc là par contre, ça donne une traction de folie, une stabilité de folie. On a peut-être un petit peu tortux, mais pas beaucoup. Et puis voilà, moi je l'ai laissé en mode transparent. J'ai enlevé toute la carotte devant en fait. J'ai laissé les cages à l'arrière entrouvertes. J'ai mis juste les flancs pour protéger un petit peu ce qu'il y a dedans. Le capot que j'ai découpé, et voilà. Donc ça, je vais laisser ma Black Widow, ma veuve noire, parce que ça, la pelouse, elle aime pas. Et franchement, à piloter, c'est incroyable. Ça a une patate, mon ami, ça a une patate. Ça envoie les suspensions de caisse, les mouvements de caisse sont super, sont vraiment magnifiques à voir. C'est vrai qu'à l'avant, il manque un tout petit peu, c'est dommage, mais bon. À l'avant, mais alors derrière, ça bouge. Je pense que je vais vous faire l'essai d'après, là, qui va suivre. Ça va être l'essai sur la piste de TT parce qu'on l'a tous vu dans de la boue, dans le machin bidule. Mais punaise, en piste de TT, ils se démerdent le BP. Hein, faut juste faire gaffe sur les sauts. Voilà, pas qu'ils prennent trop de choc à l'avant, c'est le seul truc. Mais par contre, ça envoie, hein. Franchement, ça envoie grave. Donc je pense que je vais vous faire ça parce qu'effectivement, c'est pas trop. Vous l'avez déjà vu rouler, hein, vous l'avez déjà le voir rouler. Je vais vous faire sur cette piste-là pour vous montrer comment, à quel point ça se débrouille sur une piste. Même si, honnêtement, c'est très, 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 très bien pour faire la gadoue. Hein. Vas-y, pour ça, ça sert. Parce que voilà, il est fun, il envoie la direction, elle bouge un peu. Faut être honnête, la direction, c'est pas ça. Mais si t'aimes pas le jeu, prends pas ça. Hein. Si t'es un phobique du jeu, prends pas ça du tout, parce que là tu vas mourir. C'est vrai que direction, il y a un petit peu de jeu, elle prend vite du jeu. Là je vais. J'ai pas encore mis, mais j'ai commandé là c'est la GPM qui est montée, j'ai essayé la Hot Racing, c'est là un peu. Donc on se récupère, excusez-moi. Donc je ne sais plus ce que je disais. Bref. Ouais, la Hot Racing, je vais tester ça pour voir si elle est un peu plus simple. Bon, je vais pas vous faire l'unbox, hein. Il y a la modification de cerveau en 5e, il y a la cellule avant qui en a lu au tracing, ça a été renforcé parce qu'effectivement, c'est tout simple, hein, les mécaniciens là, regarde, gros châssis, petit châssis, donc là, petit point de faiblesse, si tu tapes trop à l'avant, c'est pour ça qu'il faut faire un peu attention. Parce que, mine de rien, le bestiau, je pense qu'il fait dans ses 10 kilos là, facile, et quand ça pique, quand ça tape, ça commence à causer. Allez, à tout de suite pour la vidéo. Ciao. Attends, je mets la lumière. Oh. Alors on est à Manland, il fait moins 1 degré sans vent, il fait moins ça. Ça caille. Enfin, un essai du super recret enregistré, ce qu'il a bien reçu roulé avant. Mais chaque fois, petit problème d'enregistrement. Hein. Ah, ça meule, mais c'est bien. Pas grave, hein.
Ah putain. Toi qui gèle dans le bain, simplement. Putain, ça pique. Mais l'avantage c'est que le champ il est propre. C'est pour ça que j'ai commencé avec la voiture à la peine, parce que j'ai fait de la Après ça va être, si ça dégivre là, ça va être le... Oh, ça va être le goreille. C'est le permafrost. On a tous les deux la lumière. Eh oui, moi je peux l'éteindre en plus. Oh, si, j'ai mis le switch. Moi je peux l'éteindre quand ça se débranche. C'est un gros accident par rapport. Putain, c'est excellent. Ah, le pont il bosse à mort. Hein. Oh là là là, c'est trop beau. Moi. Regarde ça. T'as changé la violette que je t'avais filée là. Pas encore. Pas encore. Ça c'est pareil. Oh là là. Il catapulte même la terre gelée, t'as vu? C'est ça. Ça va donner avec les deux roues autrices après. Alors j'ai emmené le Baja 5B brushless version Carson. Et un King Motor brushless avec. Ah ouais? C'est quoi genre Baja là? J'ai emmené le brouilleur, la carreau est pas faite, mais je veux rouler. M'en fous! J'ai pas fait les LED ni rien encore. J'ai vite fait laisser dans la rue, franchement pas mal. Hein. Ah ouais? Bah ça a l'air pas mal. Après, du coup t'as... 15 kg l'autonomie avec les huiles, c'est bon. T'as changé les huiles. Quoi? Les huiles. Non j'ai rien touché. T'as encore pas encore. J'ai rien touché, je vais laisser les full origine. Après ils l'ont hyper détendu, ils sont super rentrés. Ouais. En fait, c'est pas... Regarde ça putain. Et les vélignons, le freinage. Tu veux faire ce que tu veux. Eh hey, mon pare-brise hein. T'en pas. Si on chante avec ta classe. Wouhou. Alors il y a Christophe je crois qui m'a dit ce matin que Raoul Manotet. Yes. Il loupe le live maintenant. Il faut payer 2€ pour le revisionner. C'est vrai. Sans déconner. Non, pour repayer, pour revisionner. Eh mais tu sais quoi, ce matin j'étais réveillé tôt ce matin. À 4h, il y avait un live qui tournait. Il y avait rien. Juste un piège à peau. Juste un piège à peau. Ça, les mecs, ils... Bravo. Oh là là. Bravo. En fait, ils croient qu'il y a une chaîne télé permanente. Mais tiens, à minuit 2, il y a les pubs cochons. Ah oui, c'est ça. 06, 35... 27, 27, 27. Appelle-moi et défonce-moi. Fais le SMS. T'as vu la gueule qu'il a, putain. Oh là là. Punaise. Regarde ça. Regarde, on passe un peu mieux que surface là. Par contre, gaffe au. Hein. Oula. Il y a des trottoirs qui sont un peu raides là. Et là-haut, tu fais méga gaffe parce qu'il reste. Ils évitent parce qu'il reste les plots en béton. Ah oui, on va éviter les plots. Les plots de la cabane, de la baraque en brique. Là, tu peux rester là. C'est dommage parce que quand tu arrives par là, en fait, ça saute super bien. Mais comme il y a les plots en béton, ça craint. Et ce qui est hallucinant, c'est que malgré le. Parce qu'il y a un peu de jeu dans la direction, hein, mais c'est hyper réactif de devant. C'est hallucinant. Oui, mais il faut pas avoir beaucoup de direction parce que tu tournes ici. Et là, il est super bien. Attends, dès que tu mets trop de gaz, t'as le petit qui part même en ligne droite. Ouais. Et tu sais quoi, j'ai envie de mettre les roues de MCD là-dessus. Ouais, faudrait essayer. Faudrait essayer. Ouais, il y en a qui arrivent à te voir, puis ils sont en train. Regarde vraiment si c'est ouvert. Vite, 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 je vais planter mes anciennes. Oui, pas que le pays est calme, 3 jours fermé, tu sais. Le pays. Le pays. Ça fait du bien, quoi. De manie. C'est vrai. Ah putain. Pas de voiture, pas de guignol dehors parce que ça gèle, donc le petit peu. Après, c'est pas des vraies voitures comme nous on était. Putain. Ouais, la mobilette, hein. La mobilette. Moins 10 sur la mobilette, hein. Dans le village. Sans gants. Mais moi j'avais le droit, c'est pas pareil. Tu sais que je l'ai testé sur une piste TT, hein. La 8ème. Ouais. Non. Le Louloute. Il se démerde, hein. Avec ses pneus, putain. Ah oui, t'étais au. Ouais. Bah oui, pourquoi il démerde. Il arrache, hein. Par contre, oui, t'as intérêt à pas emmener le râteau. Ouais, non, c'est ça, ouais. Récupérer la piste derrière. Oh, sortir, on fait un peu de tondeuse. Ah, yahoo. Donc là, il y a eu réparation de la Tchétchène parce que j'ai oublié la trappe. Donc ça a été fait au Rizlan. Allez! Joli! Voilà! Bien récupéré! Oh là! Oh ah non! J'ai pu la toucher!
On arrête. Ah, c'est bronzé. Oh putain. On dit lutin. Lutin. Oui, ben. On dit lutin du mercredi. Lutin du jeudi. Ça veut dire ouais. Merde. Et lutin de bordel de merde, c'est lutin de désordre du mercredi. Tu vois, tu peux enchaîner comme ça. Ah, ouais, je peux te faire tes petits montages de gros mots. Donc voilà le montage tchétchène. Hein. Hop là. Oh, le joli skid devant que tu as. T'as vu ça? Dans la voiture, boire un petit café. C'est clair. Ah, c'est surtout que non, mais le vent, il est... Il pique. Certains des vents, ils passent dans les pins. C'est quoi autonomie quand t'es pas tout plein de balles, ça suffit. Hein. Mais il y a 20 minutes de toute façon. Ouais. Ça sert à rien, il y a trop de puissance de toute façon. Il est super brutal. Il est plus brutal que ça, c'est sûr. Les Max, t'es kiffi. T'es kiffi, mais alors mais en bas, il y a du monde. Hein. Comme t'es pas obligé d'être toujours à balle derrière, de quand, ça. Quand tu suis les X-Max, t'as une bonne autonomie. Tu fais une vingtaine de minutes. T'es, franchement, t'es bien. Je après, ça se dit pas, quand t'allumes. Ouais, ça c'est sûr. Quand t'allumes, ça va pas. Mais il y a d'une brutalité. Ouais, c'est ça. En plus, avec ses pneus, je suis vraiment pas. Mais c'est surtout ça, il a pas de mal à emmener les grosses roulons, tu vois. La transmission, elle fait rien. Ouais, et puis comme t'es en CVD tout plastique, t'as pas de. T'as pas de choc. Ah ouais? Ah ouais. Regarde, tes cardans ils sont pas marqués ni rien. Ah, y'a rien. Ils sont pas défoncés. On a un an qu'on bourrine dessus. Wouhou! Ah, c'est bien quand Raph sera là après, on se mettra devant lui. Comme vous voulez, et lui il coupe le vent. C'est ça. En été, c'est mon parasol. C'est vrai? Hey, il est sur excellent. Tout à l'heure, il va me dire, je vais te donner du pain. C'est excellent les best-of qu'il fait. Le numéro 4 là, il est génial. Ah ouais. Ouais, franchement. Ah ouais, oui. Ah ouais, je te laisse passer. Bon. Ouais, là, t'es un petit. Là, je suis même pas quoi. Je suis un petit quart de gaz, ça suffit là. Ouais, ouais, le pont comme il dit. C'est un fou, affolant. Comment ça se. Une machine à essayer avant de dire que c'est pas bien. C'est ça. Ouais, c'est juste la direction. Ouais. Ouais, je me suis commandé la autre racine pour voir. Voilà. Ouais, ah oui, quand t'as déjà. Ah, ça y est, je suis en coupure. Ouais, la GPM, elle commence à fatiguer. Hein. Ouais, ouais. La lutte comme il est maté. Ouais, ouais, c'est fou. Mais c'est. Enfin, ouais, comme tu dis, c'est une direction d'un cinquième, d'un huitième devant. Ouais, franchement, ouais, là, ils ont des choses. Alors. Voilà, c'est sûr, c'est pas la peine de checker la température. On est bien. Ce que je vais faire, c'est vite regarder combien de temps on a roulé à peu près. Un petit quart d'heure, non? Même pas. Ouais, ah oui, 13 minutes. Sur quoi, c'est 5 000? Ouais. 4 minutes. Après, le froid, ça bouge aussi. Hein. Ah oui, non, mais c'est sûr. Les batteries prennent. Avec les scènes, quand on roule avec les scènes, le massacre. C'est vrai? Ah ouais. 10 minutes, 8 il y a 10 minutes, les lipos. En plus, elles souffrent à mort, tu vois. Ah ouais, ouais? Même en hiver? Elles coupaient à cause du froid. Et une fois qu'elles étaient chaudes, ça allait mieux. Mais là, tu vois la différence, tu vois, en 4S à la maison, j'ai fait quoi, une vingtaine de minutes? Ah ouais? Et là, ouais. Dans le champ ouvert, on a fait même pas un quart d'heure. Bon, j'ai tartiné un petit peu. Ouais, là. Ouais, mais c'est pareil, tu fais dans les 15-20 minutes avec les 8e, selon le. Oh. Regarde-moi cette roue qui se lève. Excellent. Ce qu'il faut que je fasse aussi, c'est de déplacer pendant qu'on roule pour regarder. Ouais, pour regarder un petit peu. Lui, il y a la roue arrière qui se lève. C'est excellent. Ah.
Un écrou. Moi je l'ai. C'est une tradition. C'est bon, je l'ai. Allez.